Et les voici les premiers à partir, ils n'ont pas la tâche facile, ils vont devoir nous montrer, de faire découvrir ce parcours qui a été mis en place par Daniel Brun ici, avec Cigarette du Lio pour le centre équestre d'Andernos-les-Bains. Vous souhaitez bonne chance à Roman Boutet. Allez, numéro 3, France Info. Numéro XR, le petit dôme. Vertical, pas de souci. Six. Hop, hop, hop. Aïe, 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 aïe. Peut-être qu'il va falloir l'aider, quand elle est déjà bien devant. Quand elle est bien devant, allez, on l'encourage. Fini. Et voilà. Yes, la palanque, ça s'est bien passé. Et l'arrivée pour Roman Boutet avec Cigarette du Lio. Bon, et bien ce nouveau petit obstacle but contre-bas, ouais, ça a impressionné un petit peu Cigarette. C'est vrai que c'est un petit peu comment, on n'avait pas cet obstacle-là les années passées. Et elle termine donc avec deux refus, 8 points de pénalité. Il y a un petit peu de temps dépassé puisqu'on est en 75 secondes 70 pour un temps accordé de 71, ce qui fait 10 points de pénalité pour Roman. Allez, on accueille maintenant les couleurs de la société hippique d'Aquitaine. Voici Dollar of Charan et vous encouragez Victor Chaucheras. Je pense qu'il faut que ceux qui sont derrière le poney poussent et que ceux qui sont devant ne disent pas grand-chose. Voilà, merci. Et l'arrivée de Victor. Bon, eh bien, toujours ce petit contrebas, 4 points de pénalité pour le refus, 1 point de temps dépassé en 71-87, 5 points au total pour la société hippique d'Aquitaine et Victor Chaucheras. Nous accueillons le club de sport et loisirs des Sables et vous encouragez Louis Kaufmann qui s'élance avec Wydin Amberley. Tournée court. Hein. Là, le tracé est bien fait. France Info l'Auxerre. Ça roule bien. Et ça avance. Elle ne freine pas. Louise, allez, attention. Vous savez ce que vous avez à faire et qui doit faire quelque chose. Hein. Ça tourne court. Yes! Allez, l'arrivée de Louise, yes! Eh bien, c'est un sans faute. Elle a tourné très très court en de nombreux endroits, y compris pour aller sur la petite butte là-bas.
54 secondes et 12 centièmes. 54 secondes et 12 centièmes. Ça mérite des applaudissements pour Louis Kaufmann. Bon, eh bien, on sait ce qu'il faut faire maintenant. Il faut continuer d'avancer, il faut tourner court. Vous jouez, vous tous qui êtes là-bas au fond, derrière la butte, vous savez ce que vous avez à faire. Ne le faites pas trop tôt, faites-le à bon escient au bon moment. Et nous vous donnons le départ à Maxence Lemével avec Colline de Montigny pour l'équipe du Lac Bleu. Catastrophe. Ça va, Maxence? Il doit être très déçu, il doit être très très déçu, surtout qu'il avait bien passé la butte et le contrebas, accompagné jusqu'à la sortie. Et pour Maxence, hip hip hip! Hip hip hip! Désolé Maxence. Il a dû se concentrer à fond sur la butte et puis après, hop, un petit relâchement. Bon. Bon, bon, bon. Alors, qui est en tête pour l'instant? Bien, c'est Louis Kaufmann avec Waydin Amberly. Nous accueillons maintenant Charlotte pour l'équipe de sport et loisirs des. Rémi. Rémi, il est pour les écuries de Saint-Selve. Rémi Laforgue avec Eden Lescoulet. Et lui aussi, vous lui donnez quelques encouragements. Rémi Laforgue. Allez, Rémi. 54-12 à battre. Viens doucement Rémi. Viens doucement. Voilà. Hop, 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 hop. Aïe, 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 aïe. Ben oui. Hey, vous avez entendu la petite cloche. Pourquoi? Bah parce que le règlement s'est appliqué après deux dérobades sur la petite butte là-bas. Ensuite, Rémi est obligé de faire une volte. Et dans le règlement, bah, c'est considéré comme une troisième désobéissance. C'est comme ça. Le règlement s'est appliqué. Il doit être un petit peu déçu également. Alors, je vous propose de le raccompagner. Rémi Laforgue avec Eden Lescoulet. Duralex, c'est de l'ex. Eh oui. La loi est dure, mais la loi s'applique. C'est la loi. C'est comme ça, c'est le règlement.
Bon, alors, pour l'instant, on a un sans faute quand même en 54 secondes et 12 centièmes, c'est celui de Louis Kaufmann. Il faut qu'on les aide maintenant, on voit que c'est pas facile cette année le parcours du derby, alors on les accueille et vous les encouragez. Voici Charlotte César avec Elliott de Balizac pour l'équipe Sport et Loisirs des Sables. Allez, on y va tranquille, tranquille comme ça jusqu'au bout. Voilà. À mon avis, il faut y aller doucement sur la butte. Tranquillou. Tranquillou. Voilà. Allez, on reste concentré jusqu'à la fin. Ça y est, il est enclenché. Ah. Allez, on va le sauter quand même, on va le sauter quand même. On y va, allez. Ouais. Charlotte, va sauter le dernier si tu veux, Charlotte, quand même. Va sauter le dernier si tu veux. Enfin, si Elliott veut. Oui. Elliott, s'il te plaît. Elliott de Balizac, tu m'entends ? On va rappeler Jean-François Pignon, sinon. Tu le vois, le numéro 11 ? Voilà. Le 10. Main gauche, jambe droite. Yes, voilà. Bon, et ben c'est comme ça, oui, alors élimination officielle, mais on est allé au bout du parcours, et c'est là, on est là aussi pour se faire plaisir et pour vous faire plaisir, et je vous propose de féliciter quand même Charlotte César avec Elliott de Balizac. C'est le début d'une aventure, ça, le début de la découverte de la compétition indoor, et devant un public, en plus, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour eux. Nous restons avec l'équipe des sports et loisirs des Sables, avec ce poney qui s'appelle Valkens of Hipster, et vous souhaitez bonne chance à Joy Lassalle. Super tour, allez, 54 secondes et 12 centièmes à battre. Allez. Yes! Sir. 55-21, deuxième place au classement provisoire, un tonnerre d'applaudissements pour Joy Lassalle. Bon, et bien voilà, 55-21. 55-21, c'est le
deuxième place au classement provisoire. Et nous continuons de les accueillir. Voici à nouveau l'équipe du Lac Bleu. Éclair au caramel, c'est le nom du poney, avec Paul-Arthur Crépin-Lafond. Alors, bon appétit. Peut-être un petit peu plus d'applaudissements quand même pour Paul-Arthur là-haut. Allez, on continue. Allez, Paul-Arthur. Allez, jambe, jambe. Reste derrière, reste derrière. Et voilà. Jusqu'au bout, Paul-Arthur, jusqu'au bout. Yes. L'arrivée de Paul-Arthur Crépin-Lafond et de ce petit éclair au caramel. Bon. Et Jean-Baptiste, la leçon que l'on prendra, c'est que dans la vie, d'être persévérant, eh bien, ça amène à beaucoup de choses. Bravo en tout cas, Paul-Arthur. Bravo, bravo. Bon, d'un point de vue réglementaire, c'est pas grave, on compte pas les points, on est là pour s'amuser et pour se faire plaisir quand même. Bon, néanmoins, d'un point de vue compétition, c'est quand même Louis Kaufmann qui est en tête avec ses 54 secondes et 12 centièmes. Nous accueillons le centre équestre de Gaborias, Vilnia de Santana. Et voici Nina Rigaud qui attend vos encouragements. Bien enclenché, bien dans le rythme. Laissez faire, ça va aller. Et l'arrivée de Nina. Super parcours, Nina, bravo. Et c'était la plus jeune de cette épreuve, elle a 8 ans seulement. Bravo, bravo à Nina Rigaud et Vilnia de Santana. 65 secondes et 22 centièmes. Vous avez vu comme le poney était bien enclenché, tout allait parfaitement bien. La ponette Vilnia de Santana, 65-22, c'est la troisième place au classement provisoire de ce derby poney by De Vaucoux, où nous accueillons maintenant à nouveau le centre équestre d'Andernos-les-Bains, Cigarette du Lio, que nous avons vu tout à l'heure avec Romane, et qui est maintenant en compagnie de Clara Cerisère. Que vous encouragez, Clara Cerisère, pour le centre équestre d'Andernos. Thank you.
Allez, 54-12 à battre. Allez, Clara. Youp là. Plus rapide. Plus rapide, bravo, bravo, bravo à Clara Cerizet et Cigarette du Lio, que vous applaudissez jusqu'à la sortie, 52-93, les nouveaux leaders. Fantastique. Moi, ce que j'ai repéré, c'est ce sens de la trajectoire, Clara, qui se tournait dans les virages là, pour donner l'impulsion à son poney. C'est ce que fait beaucoup Julien Epaillard. Tiens, regardez-le tout à l'heure, quand vous le verrez à cheval dans les épreuves. Allez, on continue. Et les derniers couples à passer maintenant pour les couleurs de la société hippique d'Aquitaine et essayer de battre les 52 secondes 93. Voici Dollar, Off Charan et avec les encouragements du public de Bordeaux, Maya Fernandez. Totale maîtrise. Ça va être compliqué pour le chrono, mais ça va faire un joli tour quand même. Yeah, voilà! Bravo à Maya Fernandez, 7 dollars pour la société hippique d'Aquitaine. 60 secondes et 80 centièmes, c'était notre dernier couple à passer. C'est une quatrième place au classement donc définitif maintenant de ce Derby Poney Bay de Vaucouleurs. Victoire donc pour les couleurs du centre équestre d'Andernos-les-Bains de Clara Cerizet et Cigarette du Lio. La deuxième place est pour Louise Kaufmann et Wydern Amberley pour l'équipe des sports et loisirs des Sables. Troisième place pour Joy Lassalle en 55-21 pour la même équipe de sport et loisirs des Sables avec Valkenshoff Hipster. Quatrième place donc pour Maya Fernandez. Cinquième Nina Rigaud avec Vilnia de Santana, la plus jeune. Sixième Victor Chocheras. Septième Roman Boutet. Huitième Paul-Arthur Crépin-Lafont. Voilà le résultat donc de ce De Vaucouleurs Derby Indoor pour les poneys.
Et une fois de plus, les jeunes du lycée agricole de Blanquefort sont allés le plus vite possible, pile avec la musique, raccord avec la musique, pour déménager la piste et mettre en place l'accueil de la remise des prix. Tous ces jeunes du lycée agricole de Blanquefort dans les classes de seconde, première, terminale, BTS également. Merci à vous tous, les amis, d'être là et d'être bien présents pour assurer le moins de perte de temps possible et encadrer les remises des prix avec votre bonne humeur en permanence. Bon courage jusqu'à la fin du week-end. On est prêt pour la remise des prix. Eh bien, on ouvre les portes. Voici la remise des prix du Derby Poney Bail de Vaucoum. Les voici, les meilleurs poneys de ce Derby Poney. Nous serons avec Raphaël Glaze, représentant commercial de Vaucoum. Je vois que Stéphane Kitzing, le directeur de Bordeaux Events and More, semble être avec nous. Est-ce que j'aperçois également Michel Astray, semble-t-il, pour voilà, le directeur national en charge du concours complet, et est également présent pour féliciter les vainqueurs de ce Derby Poney by De Vaucoum avec Cigarette du Lio. Vous félicitez Clara Cerisère. Le centre équestre d'Andernos-les-Bains qui est ici représenté. La deuxième place, c'est les couleurs des sports et loisirs des Sables. Bravo à Louise Kaufmann et Wydin Amberley. Troisième place, c'est les couleurs à nouveau de l'équipe de sport et loisirs des Sables avec Valkens of Hipster. Vous félicitez Joy Lassalle. Bravo Joy. La quatrième place et un bon parcours sans faute, elle clôturait l'épreuve. Bravo à Maya Fernandez avec Dollar Afjaran. La cinquième place est la plus jeune cavalière de cette épreuve. 8 ans seulement, toute pitchoune, Nina Rigaud avec Vilnia de Santana. Pour le centre équestre de Gaborias. Bravo Nina. La sixième place, c'est Victor Chocheras avec Dollar of Charan. Félicité par Raphaël Glaze, représentant commercial de Vaucoum, Stéphane Kitzig, le directeur général de Bordeaux Events and More, et par Michel Astray,
le directeur technique national en charge du concours complet. Voici la 7e place. À nouveau, la ponette cigarette du Lio, mais cette fois avec Roman Boutet qui ouvrait l'épreuve tout à l'heure. Elle est à pied, évidemment, parce qu'il ne peut pas être à deux sur cigarette. La 8e place avec Éclair au caramel, Paul-Arthur Crépin Lafond. On continue de les féliciter, même si certains ont été éliminés par la rudeur du règlement. Maxence Lemével et Colline de Montigny, applaudissez-les. Rémi Laforgue et Eden Lescoulet. Et Charlotte César avec Elliot de Balizac. Voilà, Maxence Lemével, Colline de Montigny, l'équipe du Lac Bleu. Rémi Laforgue avec Eden Lescoulet pour l'écurie, les écuries de Saint-Selve. Il y a du monde de Saint-Selve. C'était l'équipe qui jouait hier au Horseball. Et puis Charlotte César avec Elliot de Balizac. Voilà les amis, merci à De Vaucoup pour son soutien à cette belle discipline, à ces belles épreuves du derby, que ce soit hier avec les grands cavaliers internationaux ou cet après-midi avec les jeunes cavaliers de la région Aquitaine. Un grand merci également à Daniel Brun. Il est là, Daniel, c'est lui qui met en place toute la piste, tous les obstacles. Bravo Daniel et merci de ton aide tout au long du week-end parce que Daniel fait partie aussi des chefs de piste qui aident pour toute la mise en place de toutes les épreuves internationales. Et c'est lui qui anime ce derby poney depuis pas mal d'années. Merci à tous. Le tour d'honneur, bien sûr. Tranquillou, les enfants. Hein. Allez, en musique, avec vos applaudissements. Ils peuvent tourner comme ça pendant longtemps. Alors continuez, continuez, ça leur fait plaisir, ça leur fera un bon souvenir. Clara Sorizère, Louise Kaufmann, Joy Lassalle, Maya Fernandez, Nina Rigaud, Victor Chocheras, Roman Boutet, Paul Arthur Crépin Lafond, Maxence Lemével, Rémi Laforgue et Charlotte César. Oh, le souvenir qu'ils auront de cette édition, c'est certain. Imaginez que nous ayons devant nous, là, eu devant nous aujourd'hui l'un des champions ou grands champions de demain, champion ou championne du monde, d'Europe, allez savoir. Eh bien, merci les jeunes, c'était super, génial à suivre. En tout cas, et à très vite en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs d'ailleurs. J'imagine qu'une partie d'entre eux ira aussi cet été à la...